mettra Pipou, mais je crois qu'il est un peu... un peu warning, je sais pas quoi. On va voir. Et je crois qu'il y a des sujets un peu durs et tout, c'est un peu comme Omori, vous voyez. Le son est pas trop fort. Si, c'est fort. Merde, faut que je ressorte du jeu, attendez. Je crois que c'est un petit peu à la sauce Omori, ouais, c'est-à-dire que ça a l'air très mignon, mais ça va aborder des sujets assez, assez rudes. Ouais, c'est bien? Ok. Donc, on est parti pour découvrir Dreaming Mary. Twitch le place en plus de 18 ans, voilà, je tiens à préciser quand même. Bon, après, des fois, il place des jeux un peu, hein, voilà. Mais oui, je crois que ça aborde des sujets assez rudes, malgré le fait que ça a l'air tout mignon. Donc, ça va être, je crois, un peu à la sauce Pocket Mirror, dans le style, etc. Mais un peu à la sauce Omori, en mode attention, c'est mignon, mais voilà, c'est pas si drôle que ça. Ah, la musique est trop faible maintenant. Oh purée. Donc, on est parti pour découvrir ce petit jeu Dreaming Mary que vous m'avez moult recommandé et que malheureusement on va devoir faire en anglais. C'est parti. Alors, je sais pas s'il date ce jeu ou pas. Marie. Oh, Marie. Encore une Marie comme dans Mori, quoi. Musique est trop bien calibrée par rapport à ta voix. Donc c'est bien. Du coup, attendez, mes doutes. Rappelle-toi toujours que tu peux faire tout ce que tu veux dans tes rêves si tu essayes. Tu peux changer ta vie à travers tes rêves. Tu as ce genre de pouvoir. Oh, c'est trop bien. Trouve la clé qui va tourner tes rêves en réalité et ton monde entier. Et un monde entier va s'ouvrir devant toi. Coucou Rosalia. C'est juste un drôle, ouais. Je suis fatiguée, du coup je comprends plus les trolls. Je comprends pas rien. Mais Marie, fais attention. Si tu tombes trop profondément dans tes rêves, tu ne te réveilleras jamais. Oui, d'ailleurs, sur le menu, je sais pas si vous avez vu, pour quitter le jeu, c'était Wake Up. Oh. Incroyable, on a une petite annonce. Bienvenue dans le rêve. S'il vous plaît, ajustez votre volume. Pour que vous puissiez entendre la voix de la radio. C'est rigolo, ça. On a une tête très... très en amande. Une tête très allongée, c'est rigolo aussi. Alors, Z confirme, X en... Ouais, ça, c'est comme les RPG, ok. Arrow key, S pour save, et A pour return to little screen, ok. Donc, je peux save quand je veux. Oh. C'est cool, ça save. Ouais, ok. Il n'y a pas de patch FR. Je crois que j'avais regardé à l'époque, il me semble que non. Hein. Comment je me déplace? Oh, ça fait très poupée, je trouve. Ah, est-ce que je peux regarder ça? Non. Alors donc, voilà. Welcome to the dream. Je suis dans mon rêve, je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Façon rêve lucide. La porte est fermée. C'est bien, ça commence comme Pocket Mirror. On arrive, on est déjà bloqué. Alors... Il y a une photo de moi, je suppose, en haut. Ah oui, ça commence vraiment comme Pocket Mirror. Genre, je suis dans une pièce fermée et c'est voilà. Hé hey hey, toi. Ah putain, d'accord, ok. En fait, il faut que je me tourne vers les objets pour pouvoir interagir avec. Ok, d'accord. Quelle étrange peinture. Ok, ok. C'est pour ça que je pouvais pas interagir avec les autres. Alors, le bonbon, tu le veux pas? Il y a un chocolat sur le lit. Le manger, bah oui. Oh, il y a quelque chose de dur à l'intérieur. Oh non, pas un Ferrero Rocher. Non, c'est pas les Ferrero Rocher, c'est les manches, chérie. Oh, il y a une clé en or. Yes. Un peu badant qu'il n'y ait plus de bruit, par contre. Il y a un vase avec une jolie fleur blanche dedans. Deux des pétales sont tombés. Prendre la fleur? Oui. J'ai pris la lily blanche. Oh! Ah! Oh! Est-ce que c'est comme Ib? Eh, mais je crois que c'est exactement comme Ib. Les pétales en haut, vous voyez, les quatre pétales représentent, je pense, mes points de vie. C'est comme Ib. Utiliser la clé sur la porte? Oui. Vous avez dévoyé la porte. Oui, tu peux sortir, du coup.
C'est quoi ce bzzz? J'ai l'impression que le son est trop faible maintenant. N'hésitez pas à me dire, mais j'ai l'impression. Large porte blanche. Vous pouvez entendre quelqu'un... humming. The room behind... Humming, c'est pas... Non? Ou alors c'est chuchoté, je sais plus. Ah oui, on entend des petites voix, mais c'est très léger. Hein. Elle est bien chouette. Coucou Blueberry! Ah bah oui, en fait, Rémi, Marie, t'es pas là, attention! On vient de lancer. Hein. Alors, n'hésitez pas à me dire si le son c'est mieux. Hein. Une large porte bleue, vous pouvez entendre quelqu'un lire. Ok. La musique est chouette. J'aime bien. Une large porte orange, vous pouvez entendre quelqu'un qui rigole derrière. Ok. Là, il y a un truc qui me bloque la visibilité. C'est une porte. Ah, c'est une porte, mais merci beaucoup. Ah, je peux courir. Mignon. Alors. Ouais. Ah, je peux lire. Ok. Moi, il y a un petit lapinou qui passe le Nimbus 2000. La statue a une petite gravure sur son pied. Le fruit rouge est le fruit de la tentation. Ok. Bonjour. En regardant direct, j'ai des petites oreilles du coup. Bonjour. Je peux pas lui parler? Et truc. Muche. Machin. Chouette. Lapin. Bah merde, je peux pas lui parler. Alors, elle a aussi une gravure. Le fruit en or est un prix pour la victoire. Enfin, pour le gagnant, plutôt. Ok. Merde. Pas te parler, toi, vraiment? C'est une porte. Je crois que c'est une porte. Non, ah, pardon. Peut-être que je me mette pile au bon endroit. Ouais, ok. C'est pas évident, c'est... Genre, les autres RPG comme ça, tu te places peu importe à côté du perso, ça marche. Et là, il faut vraiment te mettre pile au bon endroit, en fait. Oh, mon Dieu! Bonjour, Marie. Elle s'appelle... Bunilda. Putain, c'est dur à dire. comment je te connais? Pourquoi c'est bizarre? Est-ce que tu dis que tu ne te souviens pas de moi? Bah oui, c'est ce que je dis, ouais. Oh mon dieu. On est vraiment petit ici. You were very... Non, tu étais vraiment petite. Ah, la première fois qu'on s'est rencontrés, plutôt. Du coup, ça ne fait rien. Mon nom est Bunilda. Je suis la servante de tes rêves. La servante. Du coup, ça me fait penser à... Enfin, c'est plutôt la bonne. À tout goody to choose. Little goody to choose, pardon. Si tu ne te souviens pas de moi, I bet you don't remember. Je suppose que tu te souviens de rien d'autre, n'est-ce pas? Ok. On ne date pas à la fin. Pour commencer, pourquoi tu n'irais pas visiter le Pen Guidel dans la pièce juste à côté? D'accord. C'est quoi le Pen Guidel? Coucou Yatan! Pou 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 pou! Putain, la musique est vraiment bien. Il y a un bouquin vert avec un arbre et un garçon sur la couverture. The Given Tree by Shel Silverstone. J'arrive pas à parler, je suis désolé. Il y a un bouquin blanc qui parle des animaux. Aesop Fable, ok. Oh, Sleeping Beauty, c'est la Belle au bois dormant, page 3. Finalement, ils sont arrivés à la vieille tour. Du coup, elle était curieuse, donc elle est montée, elle est passée à la porte. Il y a une petite clé, elle a ouvert la porte et elle s'est trouvée dans une petite chambre avec une vieille femme et avec une spinning wax, c'est là où elle s'est piqué le doigt. Là, j'oublie à chaque fois comment ça s'appelle ce truc. Pop, 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 pop. Elle est cool la musique. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop.
Et là, on a un petit pingouin ici. Alors, attendez, je regarde le reste. Oh, il y a une petite fée en haut. Ah, faut bien que je me mette. Ok. Ben Guidel. Ok, c'est lui. Marie, est-ce que c'est toi? Oh, pourquoi? Quelle surprise. Ah, ça doit faire des années, n'est-ce pas? Tu as certainement grandi depuis la dernière fois où on s'est vu. Est-ce que tu voudrais lire certains bouquins? Sois libre de regarder aux alentours. C'est ton rêve, après tout. Tu devrais aller dire bonjour à Foxanne quand tu seras partie. Elle est un peu estatique depuis qu'elle sait que tu es de retour ici. Go toodle along. Toodle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça doit être genre va t'amuser ou j'en sais rien. Un bouquin blanc avec une fille avec une robe bleue. Oh, c'est Adélaïde. Ah non, c'est Alice au pays des merveilles. Parlez, Lewis Carroll. Mais non, c'est Adélaïde, n'importe quoi. Je vais finir par lui changer sa couleur de robe. Hein. J'aime bien le bleu, c'est emmerdant. Boop. Ah, la DA est pipou, ouais. J'aime beaucoup la musique, surtout. C'est toujours la même musique, mais avec un sample différent, c'est très sympa. Alors, il y a du poulet. C'est quoi, c'est un chien, un renard? Je ne sais pas. Ah, mais il y a des gens dans le fond. Je peux pas regarder le poulet! Ça picole? Bonjour. Foxanne! Marie? Marie, est-ce que c'est toi? Waouh! Regarde-toi! Tu es aussi grande que moi maintenant, enfant. Enfant, ouais, c'est bizarre dit comme ça, mais. Je peux pas croire que la dernière fois qu'on se soit vu, c'était il y a plusieurs années. Oh, je suis vraiment navré. Hein. Je suis désolé. Tout seul quoi, si mon nez pouvait se boucher ça serait mieux en vrai. Oh là, tu ne pars pas tout de suite hein, n'est-ce pas hein, sauf si tu as besoin d'aide. Tu devrais aller parler à Boaris d'abord. Boaris, et ils doivent jouer à des jeux ensemble comme dans les vieux jours. Je descends les escaliers à la fin du couloir. On peut pas louper la porte. C'est la seule qu'il y a après la mienne. Ok. Est-ce que je peux prendre des trucs et des machins? Non. Il fait vraiment sombre dehors. Vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a au-delà des nuages. Il y a plein de boissons. Vas-y, je veux boire des boissons, moi. Poup, 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 poup. Poup, 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 poup. Ouais, est-ce que c'est celle-là? Ça a chuchoté un truc. Hein. J'ai juste compris Yet, mais. Ok, la musique a changé. Bonjour. Boaris. Oh, Marie, mon cœur, tu es de retour. Tu m'as manqué, chérie. Est-ce que cet endroit n'est pas maléfique? Et c'est tout pour toi, ma chère. Pour ce soir, pourquoi tu n'irais pas jouer avec les autres? On pourra passer notre temps spécial ensemble. Ok, sweetie. C'est un peu bizarre qu'un cochon me dise ça. Quand même. Je dis ça, je dis rien. Mais... Enfin, un sanglier, ouais, mais bon. Je vais où, là? Je sais pas. Voilà, plutôt. Il y a une porte avec 4 trous de serrure. Ah. Pas 4 trous, plutôt. Ok, donc il va falloir que je trouve des clés dans chacune des autres... porte. Je suppose. C'est un peu Grinch, ouais, on est d'accord. Hein. Et on m'a renvoyé. T'aurais pas une clé, s'il te plaît hein. Marie, t'es de retour. Est-ce que tu t'amuses dans ton rêve? Si tu n'es pas occupé, est-ce que tu pourrais m'aider? Il faudrait que j'arrange des statues. Oui. Ah, merci beaucoup. Tu vois, il y a actuellement une histoire derrière ces statues. Deux divinités sont tombées amoureuses du même homme et ont passé des années à se battre pour lui. Une des divinités était la reine de l'autre monde. Et l'autre était la déesse... Enfin, la... Oui, la... J'ai dit quoi, moi? La divinité, pardon. De l'amour. S'il te plaît, aide-moi à savoir. Aide-moi show, this story. Aide-moi à montrer cette histoire avec les statues.
que... Mais il faudrait que je trouve des fruits, non? Du coup. Confidente statue, longue statue. Ah! Elle m'a donné des statues? Wounded statue? What? Attends, j'ai pas compris. Donc elle, ça doit être la déesse de l'autre monde. Elle, c'est la déesse de la mort, c'est ça, non? Quoique non, je suis pas sûr en fait. J'ai rien compris. Merde, j'en ai déplacé une au pif. Ah, c'est la statue et c'est la femme la plus jolie que vous ayez jamais pu voir. Donc c'est peut-être la femme de... C'est peut-être la statue de l'amour alors. Je peux pas la récupérer. Statue d'une jeune femme qui tient un panier de fruits et de végétables. De légumes. D'accord. Et la dernière, c'est quoi? Ah, bah ça doit être l'homme. L'homme. Qui se fait attaquer par un ours. Ok. Ouais. Bah, je les ai placés comme il faut, je suis pas sûr, hein. Et Marie, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Retell the story, reset les statues. Ouais, alors attendez. Le problème, c'est que je peux plus rien faire avec les... Ouais, non, il faudrait qu'elle reset. Alors attendez, j'ai rien compris. ouais, reset les statues, s'il te plaît. L'histoire, c'est deux divinités qui se battent. Donc celle de l'autre monde... Déjà, je... Ah ouais, putain, déjà un coup, oui. Attendez, en plus, j'ai fatigué, c'est compliqué. L'histoire, c'est deux divinités qui se battent pour un même homme pendant des années. T'as la divinité de l'autre monde et celle de l'amour. Et c'est tout, c'est que ça, l'histoire, attends. Et comment je suis censé expliquer ça avec les statues? Retell the story... Ah bah si, attends, j'ai peut-être compris. Ok, là c'est la tentation, donc les deux femmes veulent l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Et là le dernier c'est le fruit doré et le prix pour le gagnant. Donc là il y en a une des deux là qui gagne à la fin. Donc on a quoi après? On a confident, longing et wounded. Je ne sais pas ce que ça veut dire, donc il est l'heure d'aller vérifier parce que... Alors, confident, c'est confiante, ouais, d'accord. Wounded, c'est celle de l'homme, c'est celle qui est blessée. Et longing, j'étais en train de regarder... C'est le désir, ok, c'est désiré. Eh ben, on mettrait bien le désir, là on a la tentation, le désir, je pense. Ça irait bien ensemble. Et après, pourquoi la confiance? J'en sais rien. Et après, blessé? Qu'est-ce qu'elle dit? Bah, c'est pas ça, apparemment. Reset la statue. Bah, en vrai, le désir doit aller après la tentation, hein. Ça serait logique, hein. J'ai dit que le désir, c'était quoi, déjà? J'ai oublié. C'était longing, hein, c'est ça, hein. Après j'avais mis, j'ai déjà oublié, confident, et après wounded, c'est ça? Bah une pause ça sert à rien en fait, ça m'a fait ça mais toute la journée donc c'est ça le problème. Mince, non mais je suis en train d'en faire la même chose que tout à l'heure là je crois. Je comprends pas la logique de cette énigme. Attends, vous êtes sûr que c'était elle le désir? Alors, confiant, wounded et longing. Je crois que j'ai tout essayé de toute façon, hein, donc si c'est pas ça. Ah, c'est vraiment bien! J'ai rien compris. Vraiment, j'ai rien compris, hein. Je suis désolé, mais t'as fait un bon boulot, Marie. J'ai pas compris la logique de l'énigme, là. Genre, il fallait mettre du coup confiant, après blessé,
et après le désir. Et voilà. Sois sûr que je t'aiderai si t'as besoin d'aide. Eh ben, donne-moi une clé. Super. Ah, du coup, je l'aide. Et elle me donne rien en retour. Ouais, d'accord. Super. Je me suis un peu fait arnaquer là. Hein. Tiens, sauvegardons. Pouit. Pouit. Pouit, pouit, pouit. Pouit, 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 pouit. Bienvenue de nouveau. Est-ce que tu... tu as aidé Bunilda. C'est vraiment gentil de ta part. Maintenant que tu es là, est-ce que tu peux me donner un coup de main aussi? Bien sûr. Excellent. Merci pour ton aide. Je lis un livre avec un auteur appelé William. Il y a un moment... c'était à propos d'un lapin et j'arrive pas à me souvenir à quoi il ressemble. Est-ce que tu peux le trouver et me dire quelle couleur, de quelle couleur il était? Ok. Avec un lapin, hein, il a dit. Hein. Et ben, Stuffed Rabbit in the Cover. Et ben voilà, Yellow Book. Ça doit être ça, non? Je vais quand même vérifier le reste. Mais... Brown Book. With a bow, avec un garçon qui joue avec des monstres. Attends, ça, il s'appelait William, le mec qui avait écrit ça? Marjorie William, ouais, c'est ça. Bah, il est jaune. Hello Marie, est-ce que t'as besoin de quelque chose? Décrire le bouquin. Ah, tu sais quelle couleur était le bouquin? Utiliser les lettres capitales? Wouah, faut l'écrire, quoi. Attendez, où est le grec? Attends, lettre capitale, il a dit. Hein. Donc, faut tout mettre en lettre capitale. Yellow. Low. Ah, tu as raison, excellent travail, Marie. Bah voilà, c'était pas compliqué. Tellement de livres à parcourir. Quel temps what a time to be alive. Quel temps pour être en vie. Ok. Mais putain, je les aide, ils me donnent rien. C'est la première fois que je vois ça dans un jeu. C'est terrible. Vous avez pas honte? Vous l'avez pas honte. Bon, elle veut quoi comme coup de main? Ça reste la journée, quoi. Ce stream va appeler l'histoire du nez de Nao. Ah, okay, comment ça va? Ah, t'as aidé Bunilda et Gwindel? Ah, et moi alors? Ok, je vois un jeu. Et you're up for it? Ouais, t'es prête? Ok. On va jouer au jeu de cache-cache, ok. Et je vais me cacher quelque part dans la pièce et tu dois me trouver. Pour ce round, tu as 45 secondes. Juste dis-moi quand t'es prête. Bah, c'est parti. Ok, on commence. Essayez de me trouver avant que les 45 secondes soient finies. Je sais pas moi. Elle est où? Elle est là. Non. Je l'entends se marrer. Elle est où? Je t'entends rigoler, hein. What? Mais c'est super dur, mais je la vois pas du tout. Du coup, je suis en train de cliquer de partout. Oh! Tu m'as trouvé! Bien joué! Elle était derrière le poulet. Yes. Trop forte. Bien joué! Jouons un autre jeu une autre fois. Alors, est-ce que juste le fait de les aider, ça aurait pas fait un truc à la porte? Qui est en bas. Là, avec les 4 carrés, non? Ah bah, peut-être pas. Est-ce que tu t'amuses bien dans tes rêves? Oui. Ah, c'est bien, je suis content. Je suis content. Ce monde a été fait spécialement pour toi, après tout. Ça serait ballot si tu l'aimais pas. Pourquoi tu ne jouerais pas un peu plus avec tes amis? Purée, mais vas-y, moi j'en ai marre de jouer avec mes amis. Attends, je vais devoir refaire des trucs avec eux.